très heureux de vous retrouver dans ce local. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je remercie le Centre culturel espagnol de nous avoir ouvert la porte ce matin, compte tenu des conditions climatiques. C'est un moment particulier pour nous tous que de nous retrouver pour penser une nouvelle fois à Rafael Campos Escolano. Et je tenais, Eliette le sait, je tenais à pouvoir avec vous honorer une dernière fois, pour ce qui me concerne en tant que maire d'Auch, la mémoire de Rafael. Et ça change beaucoup de choses. Voilà, en tout cas pour moi. Je voudrais remercier Eliette d'avoir brusqué les choses. Mais c'est moi le responsable, c'est pas elle. D'avoir peut-être forcé les artistes à aller plus vite qu'ils ne l'auraient fait, en temps normal. Donc un grand merci à Arturo. Venez, 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 venez. À Esperanza. Venez, venez. Qui sont les artistes, les réalisateurs de ce magnifique buste. Et je voudrais aussi remercier Juan Carlos Blas. On m'a dit qu'il avait aussi participé techniquement, en tout cas à la mise en place, c'est ça, Eliette, hein, voilà, du buste. On a une conscience, comme nous tous, que c'est pas un moment difficile, ou en tout cas que c'est un moment fait de mélange. Plaisir ne convient pas, je crois, comme un mot, mais en tout cas, voilà, forme de moment peut-être agréable et de tristesse, bien évidemment. La tristesse du départ brutal il y a quelques années de Rafael, on l'a toujours en nous, on la porte en nous. Et ce que je voulais vous dire une nouvelle fois ce matin et dire à Gloria, c'est que Rafael fait partie de ces personnes très importantes pour moi, qui auront marqué mes 10 ans à la tête de la mairie d'Auch. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je vais me répéter. Il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Et je le disais il y a quelques jours, quelques semaines à l'Assemblée Générale de la JAV. Il est pour moi l'Espagne, que je ne connaissais pas bien, que je ne connais toujours pas très bien, mais que je connais beaucoup. Je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, en lui-même, je trouvais qu'il illustre parfaitement Rafael. C'est très... voilà. C'est lui. C'est lui. Et puis il y a quelque chose qui est particulier et qui distingue ce qu'on pourrait appeler une reproduction d'une véritable œuvre d'art. Et pour moi, c'est une véritable œuvre d'art. C'est ce que Rafael porte sur ses épaules. Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Alors vous regarderez bien. Et je vais vous livrer mon interprétation personnelle de ce qu'il a sur ses épaules, Raphaël.